émission musika ya malewa moderne liboso ya caméra eza nutritionniste Luli Kwema nazali susu moto penza ya komela kisaminga na binote parce que bozoka déjà occasion bala mingi ya kolanda ba intervention nanga na cadre ya émission oyo esala kabino malamu mingi bipai na bipai ezala na Kinshasa na République démocratique du Congo na Belgique na France na États-Unis partout esika bolandaka émission moseka ya malewa moderne lelo ezali susu libako malamu potre ba kosola bino na ebete ba misusu oyo penza lingala ekotaka pasi na matoyi na bango ba mituni me toko comprendre te me lengi na rassure bino ke de temps en temps na kozonga pe na lopoto pote bino banso boye ba ko comprendre makambo ya motuya makambo ya lokumu maeto bongisi to solola na bino lelo. Je voulais tout simplement vous saluer, vous le fidèle de l'émission Moseka de Malewa Moderne, c'est le nutritionniste diététicien Luli Kwema. Quand je ne viens que parler de la nutrition. J'aimerais vous rassurer, nutrition dans tous les domaines. Nous sommes là, que ce soit dans la production, que ce soit dans la conservation des aliments, dans la commercialisation, dans la consommation, dans la transformation, dans tous les domaines de la nutrition, que ce soit aussi la diététique, l'aspect ayant trait au traitement des malades, que ce soit cas de diabète, des maladies cardiovasculaires. Ça me rappelle même quand nous avons parlé de l'alimentation des diabétiques, j'avais promis que je devais revenir cette fois-là pour parler de l'alimentation pour lutter contre l'hypercholestérolémie qui est un problème contre le bon fonctionnement de notre cœur. Ça fait partie au fait des maladies cardiovasculaires. Mais compte tenu de l'actualité, nous avons provisoirement laisser ce projet de parler de comment lutter contre l'hypercholestérolémie par une bonne alimentation. Nous voulons nous entretenir avec vous autour d'un sujet d'actualité très important, que ce soit en République démocratique du Congo, en France, en Chine, aux États-Unis, partout, on en parle. Mais nous ne voulons pas rester déphasés. Nous voulons parler de comment renforcer sa capacité immunitaire par une bonne alimentation. Mais je ne vais pas me disperser. Je vais avec vous voir rapidement quelques aliments et dans mon intervention je m'attellerai beaucoup plus autour de quelques problèmes qui arrivent lorsqu'on ne respecte pas la bonne ligne de conduite dans l'utilisation de certains aliments, notamment ces aliments qui interviennent pour renforcer la capacité immunitaire. Je disais tantôt les problèmes qui arrivent lorsque ces aliments ne sont pas bien utilisés. Mais j'aime bien organiser mes interventions. Au cours de cette intervention, comme je viens de le dire, nous allons essayer de voir rapidement, je ne vais pas trop m'attarder, je dirais un mot par rapport à l'immunité ou défense immunitaire. Ensuite, je vais parler de nutriments, c'est-à-dire ces éléments qui viennent pour renforcer la capacité immunitaire. Et enfin, comme les nutriments, on les retrouve dans les aliments, nous allons voir rapidement quelques aliments. Et comme je disais tantôt, donc il y a beaucoup d'aliments, mais nous allons rester autour de trois aliments. Et je préfère à ce stade déjà présenter ces aliments avant même que nous puissions déjà commencer le développement. Donc aujourd'hui, nous allons voir les citrons. En fait, les citrons fait partie des agrumes. Du reste, vous voyez là, devant la caméra, j'ai mes citrons, plusieurs citrons, parce que c'est vraiment la période où le Seigneur nous donne des citrons, et les citrons sont vraiment indispensables dans le renforcement de la capacité immunitaire. À côté du citron, j'ai le gingembre, qu'on appelle généralement ici chez nous, les tangawis. Donc, je vais parler des tangawis. Je vous rassure que c'est surtout autour des tangawis que je vais rester beaucoup longtemps dans mon intervention, parce que c'est vraiment avec les tangawis qu'il y a beaucoup d'abus dans l'utilisation. Et en dehors de citron, tangawis, un autre aliment, c'est le miel. Donc dans cette recette, que je ne vais pas vraiment entrer dans les détails comment préparer, ça c'est le domaine de Mamie Le Coin, mon épouse, mais moi je vais parler de ces ingrédients. Ça c'est le miel, je parlerai de citron, je parlerai également de gingembre. Yasolo Bandeko Batali ya émission Musika ya Malewa Moderne lelo naye ko solo na biso lokwa bakina lopoto na lolenge ya kupesa makasi
naba soda ya nzoto na biso po ete boyebi na mikolo miye makono mazali maike mingi penza koleka bokono oezo tungisa oye sekuwe mukili na lopoto wa bengi yango pandemi bongo na tango makono mayaka na kolo bango na mwatango ezali koya zoto na biso za na basoda oye babundi saka makono tokotala na lumangu penza makamo na basoda wana sima na ngo tokotala ete basoda wana po bazala makasi eza na besoin ya ba element nutritif ba nutriment moko boye na kolo bango na mwatango ezali koya. Mais comme ba nutriments na e utaka kaka na bilei tokotala pe bilei. Bilei ne epesaka basoda na biso makasi, c'est vrai que dans le poton na lobaki te bopé meza malamu mwangala siseza malamu, mais bilei surtout pamba te tokomono na kati ya bilei eza na ba element nutritif oyo na mwata mwazali koya tokokoto na mwaba detay tomona yango eyaka ko pesa makasi na basoda na biso. Alors bilei ba element nutritif wana eko kweya katero kola mana bako zwa kango tepo telemi na moyi bako zwa kango tepo kimimba mwazali ngala sisi eko zwa maka na bilei. Talatina bilei zanzike dayer na mwa lukasa unazana yango na pesi mwa bilei ebele me awa nasali rezime yangonde na zote ya kami kolo depi mokile ningani na obi no moko boyebi toza par exemple na ai toza na poireau toza na matungulu poireau toza na gingembre toza na poivron toza na bagrim toza na te vert toza na curcuma toza na baleguminese me awa na ba misusu eza ebele penza me awa lelo na lingi kotika la autour ya biloko misato. Et généralement, il y a une recette qui est baptisante, topé une boisson non-shot. Et ça, il y a un citron. Citron est dans la famille Bagrim, dans mon temps, il y a un peu de détails. Donc, il y a un citron, du reste, dans un panier, il y a un citron pour le baquet. Mais quand on a un cabino, il y a un sapote, il y a un peu de citron. Il y a aussi un gingembre topé tangawisi. Awa ndena kuhume la mingi paske na bongisi totala bangambo oyo yaka soki batosi kosale la tangawisi malamu te. Don nazana ba tangawisi nangawa ekukosa la tangawisi ya pudre koza pe tangawisi oyo ya racine bako rape. Alima ya misato oyo kota na reseto otokolubela lelo ya mwezali miel. C'est vrai que na kuhume la penza mingi kolekate na miel na kufanda mingi nde na gingembre paske ya beaucoup de problèmes autour yaba gingembre oyo. Voilà na kanisi na pesi articulation ya masolo na biso. C'est vrai za mulai mingi lelo tokotala otokotala pe na mikolo mikoya surtout kaka na mikolo mieux toko okoba. Voilà makambo ya bilei oyo kosunga biso poto pesa zoto na biso makasi na nzela basoda na yango. Nous disons seulement que dans notre corps, nous avons ce qu'on appelle le système immunitaire. Et le système immunitaire est chargé, bien-aimé, de défendre notre corps chaque fois qu'il y a une agression. Ça peut être une agression extérieure, microbienne extérieure, ça peut être également une agression interne. Donc, je ne vais pas trop m'attarder autour de ça. Comprenez seulement que, comme nous avons le système cardiovasculaire, nous avons le système respiratoire, nous avons le système génital, nous avons aussi le système immunitaire qui est chargé au fait de défendre notre corps chaque fois qu'il y a une agression. Alors, pour que ce système immunitaire soit efficace, je disais tantôt, il y a plusieurs facteurs qui influencent le bon fonctionnement du système immunitaire. Nous pouvons dire que le repos est très important, l'exercice corporel est important. Mais à cela, nous ajoutons un élément très important, c'est l'alimentation. J'aimerais vous dire, fidèle ami, fidèle de l'émission Moseka de Maléa Moderne, lorsque vous mangez équilibré, j'aimerais vous dire que vos anticorps seront forts. En fait, vous aurez une capacité immunitaire qui va vous aider chaque fois qu'il y aura une agression microbienne. Donc, je disais que l'équilibre alimentaire est très important. Et lorsqu'on parle de l'équilibre alimentaire, c'est que vous avez dans votre alimentation tous les éléments nutritifs nécessaires qui sont retrouvés dans les différents groupes d'aliments. Donc, si vous prenez suffisamment de l'eau, si vous mangez les féculents, vous mangez les fruits et légumes, vous prenez les produits laitiers, un peu de viande, un peu de poisson,
un peu des insectes, un peu d'œufs, vous avez un peu de matière grasse, limitez les matières grasses bien sûr, vous limitez les produits sucrés, je parle de l'équilibre alimentaire. J'aimerais vous dire pour les personnes qui mangent bien, qui veillent sur leur équilibre alimentaire, c'est-à-dire ils varient leur alimentation, ils diversifient leur alimentation, respectent également le repas. Pour ces gens-là, généralement, ils n'ont pas trop de problèmes, même quand les agressions microbiennes arrivent. Donc, la première des choses, c'est de veiller sur l'équilibre alimentaire. Mais au-delà de cet équilibre alimentaire, nous avons quand même quelques aliments qui sont indispensables et ont certains éléments nutritifs nécessaires pour renforcer la capacité immunitaire. Alors là, j'aimerais rapidement citer quelques éléments nutritifs qu'on retrouve dans le but de renforcer la capacité immunitaire. Je peux vous citer la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B9, la vitamine D. Je peux citer le zinc également. Donc, manger équilibré, vous avez tous les éléments nutritifs que le corps a besoin. Parmi les éléments nutritifs, nous avons les glucides, les lipides, les protéines, les sels minéraux, nous avons le vitamine, sans oublier les fibres. L'équilibre alimentaire vous permet d'avoir tous ces éléments nutritifs que je viens de citer, mais ici, pour ce qui est le cas de renforcer la capacité immunitaire, il faut que dans l'alimentation, vous teniez compte de ces éléments nutritifs que je viens de citer. Je rappelle la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine B9, E, les zincs. Il y en a beaucoup, mais nous restons autour de ça. Alors, rapidement, qu'est-ce que la vitamine A fait? Beaucoup de choses. Mais retenez seulement que la vitamine A stimule la production de globules blancs. Les globules blancs, ce sont des globules qui interviennent pour lutter contre les ennemis de notre corps. Nous avons les globules rouges, ça c'est du côté hémoglobine. Mais les globules blancs, c'est pour l'immunité de notre corps. Alors, nous avons la vitamine C. Et pour ce qui est de la vitamine C, beaucoup de choses à dire. Retenez seulement que la vitamine C, c'est un puissant antioxydant qui permet de lutter contre les radicaux libres. Or, les radicaux libres, j'aimerais vous dire qu'ils interviennent dans la destruction du système immunitaire. Donc, la vitamine C limite l'oxydation des cellules immunitaires, stimule le système immunitaire, favorise l'absorption de fer. Donc, la vitamine C fait beaucoup de choses, mais retenez ici, stimule le système immunitaire. N'oubliez pas que nous sommes autour du système immunitaire. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver la vitamine C? Beaucoup d'aliments, fidèles téléspectateurs, mais nous citerons la goyave, qu'on appelle Mapela. Nous citerons les poivrons. Je dis les parce que vous avez les poivrons jaunes, vous avez également les poivrons rouges. Du reste, le poivron rouge est plus riche, même par rapport aux agrès, mais c'est étonnant. Eh bien, quand on fait des recherches, on découvre beaucoup de choses. Vous avez les choux frisés, vous avez les agrumes. Dans la grande famille des agrumes, je peux citer en passant, nous avons pamplemousse, nous avons mandarine, nous avons citron, et c'est parmi les stars. Nous avons également, j'ai cité citron, j'ai cité pamplemousse, mandarine, il y a aussi clémentine. Voilà, il y a aussi orange que j'ai failli oublier. Ça, ce sont les agrumes. Donc, retenez que les agrumes nous apportent beaucoup de choses par rapport à la vitamine C, mais il y en a beaucoup, hein. J'ai donné seulement l'exemple. Alors, maintenant, par rapport à ce qui concerne le nutriment que nous voulons voir aujourd'hui, j'ai cité vitamine C, vitamine D, ainsi de suite, mais tous ces nutriments, comme je disais tantôt, ne tombent pas comme de la manne. Les nutriments, on ne va pas dans un magasin pour acheter les nutriments. C'est vrai, nous encourageons ici les nutriments qu'on doit avoir par l'alimentation. Comme je disais, nous encourageons les nutriments qui proviennent de l'alimentation. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'au fait, ces vitamines C, D, A, on peut les retrouver aussi sous forme pharmaceutique. On peut aussi les avoir dans les compléments alimentaires. Mais ici, fidèles téléspectateurs, je vous encourage d'aller les avoir dans l'alimentation et surtout les aliments bio. Voilà, pour ne pas compliquer les téléspectateurs qui nous suivent en Lingala, je vais récapituler rapidement avant que nous puissions voir les trois aliments précités. Yasolo, Bande Kobatali, il y a émission Moseka, Yawale Malewa Moderne, Mikolomie Tofandi Awa.
awa wapi bilei oyo ekopesa makasi na basoda na biso lokola nazo limbolaka na ba conférence bisika nazo nazoleka esengeli boyebake na nzoto na biso mikili miso tozwami yebake tozomona te yebate nzinga nzinga na biso ba microbe ezali ba bakteri ba virus microbe ezali bongo microbe mina soki ezalaki likolo ya basoda oyo nzambe atia na nzoto na biso te tolingaki ntango nyonso kaka tobela tobela talatino omoni bato oyo baliaka malamu te bato baza na point ya malnutrition bango babelaka pampamba ngai nasalaka na hôpital nakutana na bakai ebele surtout bana baza na baquashorko baza na bamarasme bana wana okomona nini mupepe moke babeli bronchite mupepe moke babeli maladi bamaladi ezala oyo ya respiration eza bamaladi ya libumu maladi ndenge na ndenge badiare tout ça pourquoi parce que nzoto na bango ekoma kolonize na bamikrobe mais biso bato toliaka malamu oyo nzoto na biso basoda elenda eya mpasi mingi po oke mikrobe esakana na biso mikrobe ekosakana na biso te mpona nini parce que lokola alobaki na lopoto toza na banutriment oyo ekozwamaka na nzela ya bilei même si baproduit pharmaceutique ezali bacomplément alimentaire mais nabeti sete naobi esengeli tozwa yango na nzela ya bilei banutriment ango eza nini natangaki na lopoto ecomprene eza mpasi exercice monene limbola alingalingba na lopoto nalingi te bato miso bazanga nalobi toza na baelement nutritif oyo ezalaka kati na bilei nalobaki soki moto azolia malamu oyo tobengaka équilibre alimentaire c'est-à-dire que ba groupe nyonso ya biloko ezali ya kozwa baelement nutritif nyonso nzoto eza na bosenga na yango akozwa baproteine akozwa baglycide akozwa balipide akozwa basele minero akozwa bavitamine akozwa bafibre eya mpasi mpo moto oyo akwea na kokoso mais nalobi te ke akobela te akokobela parce que nalobi te ke soki oliaka malamu okende sika moto aza na bokono aza na tuberculose moto aza na corona okei omi expose ozwi okozwa yango même si oliaka malamu batela ba mesure nyonso mais esengeli yo sikoyo olia malamu kolia malamu ndenge nalobi bagroupe nyonso ya biloko ezala mais sikoyo sete na ngai nazobeta makasi mingi eza beaucoup plus par rapport na quelques éléments nutritifs donc tokolia biloko nyonso mais na mikolo lolenge oyo mokili eza sekue ndeko na ngai bilei okolia ezanga te 1 vitamine A 2 vitamine C 3 vitamine B mais mingi mpenza B9 4 ezanga te vitamine D 5 ezanga te zinc c'est vrai ba élément nutritif eza ebele mais awa na beti 7 na mitano 5 landanga bien vitamine A d'ailleurs tomonaka mingi na ba pays oyo a vitaminose ezali bayaka kopesa bana na supplémentation vitamine A basaka oyo nabengaka na Congo tangisa tangisa alors que vitamine A tokozwa ngo na bilei ndenge na ndenge mpona nini parce que vitamine A en dehors ya kobundisa makambo nyonso abundisaka vitamine A abundisaka bainfection c'est-à-dire arenforsaka capacité immunitaire na kofacilite production ya ba globule blanc toza na vitamine C vitamine C boyebi yango tout ça la ba intervention ebele na vitamine C yeba ke vitamine C azali yoko ya ba antioxidant vitamine C ya kosala nini ako faciliter bandeko na ngai production ya ba anticorps na biso mais ako empêcher aussi oxydation tolo ba destruction ya ba element oyo kotaka pona ko renforcer capacité immunitaire vitamine C ako sungaka aussi pona absorption ya fer soki moto azangi fer boyebi akokoma na anémie toza pe na vitamine mosusu ezali vitamine B9 toza na zinc na bielema mosusu mais nakoomela mpenza mingi te alors baelema wana bandeko na ngai lokola bayeba ozwa ngo wapi ata soki toencourage mpo ke capacité ya immunité za malamu tolobi fo kopema tolobi fo kosala mwa ngala sisi mais bien aimé okozwa baelema na te parce que okimi mbango ozwi yango oke kolala opemi parce que nutrition yabi pema ozwi yango non okozwa ngo na nzela ya kolia pamba te na nzela ya bilei bilei eza ebele mais awa toponi bilei misato ndenge nalobaki alors nakofanda mwa moke mpona kolimbolaka nakopesa bino rapidement bienfait ya baelement na ozala kaka mwa rappel moke mais nakofanda mingi na gingembre bilei misato tolobi eza miel na presentaki tolobi ezali citron tolobi eza gingembre mais soki na ye awa beaucoup plus parce que nalingi na corrige lolenge mabe ya kosalela gingembre mais nalingaki te nakoya kaka boye nalingaki d'abord nalakisa bino te biloko yango eza mabe te mais mabe eza na lolenge oyo biso nde toza kosalela yango
Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prenne l'émission Moseka de Malewa Moderne. Thank you.